Yo tout le monde, Stan, aujourd'hui on se retrouve sur un déballage d'un lot de 4 ampoules E27 connectées du coup en Wi-Fi pour un contrôle à distance via une application ou via Alexa, via Google Home, via je crois que c'est tout. Je crois pas qu'on peut avec Siri, celui-là-ci. Donc ouais, c'est un pack du coup de 4 ampoules. Voilà. De la marque Tekin. Donc voilà, les LED de Smart Build SB50, compatible du coup avec Alexa et assistant de Google. Et la 4 pièces. Non, Alexa, stop. Voilà, le souci, Wi-Fi connexion, app control, par la voix, timer, dimmable, je ne sais pas, energy saving. Hop, ici les petites caractéristiques. Un petit peu, donc le Wi-Fi standard 2,4 et l'application Smart Life qui est du coup utilisée par beaucoup de lampes, quelle que soit la marque. Donc, hop, un petit blister pour protéger tout ça. Voilà. C'est pas voilà une boîte on ouvre et puis là uniquement le carton, hein. Là il y a quand même du blister en protection, donc ça fait quand même bien son taf. Donc c'est des ampoules qui coûtent quand même 42 euros, mais bon c'est parce que là le pack de 4, hein, parce qu'une ampoule vaut à peu près 10 euros hein, de toute façon. Donc je suis même sûr, presque sûr qu'on est gagnant quand on achète un pack de 4, parce que c'est oui, 10 euros, on va dire 12 euros je crois l'ampoule. Donc 12 x 4, vous avez votre calcul. Ça vous fait déjà oui, presque 40, ouais, presque 50 euros. Alors que là, vous avez économisé 8 euros. Quoi. Donc, hop, voilà comment elles sont mises. Ok, donc elles sont quand même bien rangées. Un petit protection. Hop. Voici une ampoule. Donc elles sont toutes pareilles, juste en ouvrir une. Petite ampoule classique. Hop. L'ampoule là, c'est tous les mêmes hein, de toute façon, de la marque Tekin, c'est bien marqué la marque. Made in China, 240 volts, 8 watts. La petite notice, donc voilà, qui explique comment il faut faire. Donc moi ce que je vais faire, c'est que j'en jumelais une pour là-haut. Je sais pas si j'ai l'application là-dessus, je crois pas, mais je vais la télécharger. Et puis on se retrouve tout de suite avec le branchement de celle-ci sur le plafonnier. Donc voilà, donc voici, là elle est en train de clignoter pour te dire je t'attends, connecte-moi. Donc c'est de l'éclairage, dispositif Wi-Fi, voyant confirmant. Donc voilà un petit peu comment ça se présente au niveau de la notice, voyant confirmant. Il faut que je change le Wi-Fi, il faut être en version 2,4 GHz, c'est moi justement, 5. Allez, connecte-toi, ce serait cool. Voilà. Il faut rentrer du coup son mot de passe Wi-Fi. Donc c'est bien avec celle-ci, c'est qu'elle le fait tout seul. Alors que sur certaines, on est obligé d'appuyer sur l'interrupteur. L'interrupteur du Wi-Fi pour que ça marche. Enfin, l'interrupteur de la lumière pour que ça marche. Connexion en cours. Donc on va attendre. Tant qu'elle clignote, c'est que c'est pas bon. Voilà, connexion en cours. La lumière clignote plus. Je sais pas si vous verrez bien. Parce que là, c'est dans un angle pas pratique. Donc il est en train, hein, c'est en train de le faire. Alors, ça lui met un peu plus de temps, tant qu'il connecte et tout ça. Donc voilà, 100%. Oui, il donne son petit nom, donc moi je vais l'appeler extérieur. Extérieur. Hop, ok. Voilà, Alexa me dit qu'il l'a découvert. Donc moi c'est pour dehors. Donc voilà, les groupes, couloir, cellier, dehors. Hop, extérieur, terminé. Là voilà, on appuie. Elle s'éteint, on l'allume. Ok, c'est le temps qu'ils comprennent qu'elle s'éteint. Hop. Voilà, c'est parce que c'était le premier à l'image, je pense, qui est un peu plus long. On l'allume, on lui met sa couleur. Là, on lui change, on lui met en bleu. Donc voilà, c'est bien en bleu. Là, on lui met en rouge. On va le mettre en vert, jaune. Voilà, donc il fait bien tout ce qu'on lui dit. Alexa? Éteint extérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer que j'appuie rien sur rien du tout.
Alexa, allume extérieur. Alexa, mets l'extérieur en blanc. Donc voilà, vous avez pu voir que j'ai rien touché du tout par rapport à ça. Donc voilà, elle s'appelle à l'extérieur grâce à l'application Smart Life qui est paramétrée aussi pour la suite. Enfin, pour Smart Life et une extension que l'on trouve aussi sur du coup Alexa. Et puis Alexa, mets l'extérieur en blanc froid. Étant donné qu'elle est connectée dessus via votre compte, et ben votre compte, et ben, elle se trouve tout seul. Donc voici celle que j'avais avant, qui est un petit peu sale, hein, comme on voit, et celle d'après, qui est du coup, ben, elle est ronde, celle-ci, et puis celle-ci est un peu plus plat. Donc voilà, ça c'est une ampoule qui ira du coup dehors, comme son nom le dit. Et puis voilà, je vais en mettre un peu partout. Ça va être l'extérieur, dehors, le couloir, enfin voilà. Comme ça, je peux lui dire de l'allumer à distance ou même depuis l'application, comme on peut voir. Hein. Je suis toujours sur l'application. Donc voilà, maison extérieure. Pareil, hein. Hop, on allume, on éteint. C'est tout à fait simple et contrôlable facilement. N'importe qui peut le faire. Donc voilà, je vais rebrancher du coup ma lampe pour le bureau. Et puis celle de l'extérieur, je vais la mettre à l'extérieur. Donc voilà. Ciao ciao, n'hésitez pas à acheter ce produit, 40 euros. Moi je recommande, ou même le pack de 1, de 2, c'est comme vous voulez. Moi je recommande en tout cas cette marque qui est facile d'ailleurs à se connecter. Comme on a pu voir, hein, je l'ai allumée et elle s'est déjà connectée. Alors que normalement on est obligé d'appuyer plusieurs fois sur l'interrupteur pour qu'il comprenne qu'il est en mode jumelage. Là il s'est fait tout seul automatiquement. Donc ça franchement c'est un point super positif parce que ça évite de faire des manœuvres quand on est loin de l'interrupteur, machin, c'est super chiant. Donc franchement je recommande cette marque Tekin. Donc voilà, Tekin comme c'est écrit ici ou comme c'est écrit ici là-haut. Je recommande cette marque. Et puis voilà, cette fois je vous laisse vraiment et je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.